Yakon Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir et je pense que la semaine va être remplie surtout de colis de Noël, etc., de contenu sur le thème Noël, car on va se retrouver avec l'ouverture du colis, donc du cadeau de Noël que m'a envoyé Dragmar, à savoir que moi, je lui ai envoyé un colis avant et qu'il était divisé en deux temps, des cadeaux pour lui, des cadeaux pour sa chérie, et donc bah, lui a décidé du coup de m'envoyer aussi un cadeau, à savoir que lui n'a pas fait de vidéo et je lui en veux pas, il fait comme il veut en fait, parce que je pense qu'aussi il n'a pas voulu faire une vidéo sachant qu'il y avait des trucs aussi pour sa chérie. Et bah voilà, le lien de sa chaîne bien entendu est en barre d'infos. J'ai chaud. Ça fait genre 10 fois vu que c'est un nouveau fond. Et le premier jour où je mets un fond, je mets au moins une dizaine de fois à essayer de faire tenir ce truc. Parce que là, en plus, c'est une nappe de table. Donc forcément, le tissu est beaucoup plus grand que d'habitude. Un peu plus lourd parce qu'il y a des bordures un peu plus épaisses. Et il n'arrête pas de tomber. J'arrête pas de me lever pour le remettre. Et donc, j'en peux plus. J'ai trop chaud. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc cette semaine, tu vas voir principalement des trucs comme ça parce que j'ai aussi filmé une carte de Noël qu'on m'a envoyée qui sortira le 25 au matin et le 25 au soir, tu auras donc le calendrier de l'Avent. Mais techniquement, la vidéo devrait sortir donc le 26, à 16h plutôt. Celle du 25, elle sort à 16h et pas à 17h comme d'habitude. Ok, donc déjà savoir qu'en plus Dragmar a recyclé mon carton, parce que ça c'est vraiment le carton que je lui ai envoyé avec ses cadeaux et ceux de sa chérie. Donc il a recyclé le carton et il a mis une poche, un sac. Ok, il a triché, il a même utilisé mon truc au fond pour protéger. Au moins ça évite aussi le gaspillage. C'est assez lourd. Mais c'est une matière, ça a l'air doux, donc je pense que ça doit être une peluche, un truc comme ça. C'est une peluche, ok. Je pense savoir ce que c'est, je dirais. Alors, vu la lourdeur et tout ça, j'ai l'impression que c'est les peluches que l'on peut mettre au micro-ondes et en forme de panda, je pense, parce que étant donné que j'aime les pandas et je sais qu'il est dispo parce que je l'ai vu à Toulouse, je dirais que c'est ça. Et je crois... Ouais, c'est ça. Cool. Oh, génial. Merci, Dragmar. Oh, il est trop mignon. C'est ça, parce qu'au niveau du... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a l'étiquette. Ouais, ils sont la lavande, donc c'est bien ça. Je vous offre le plus beau moment de bien-être. Et éviter de contact pour prolonger les éléments chauffants. C'est ça, ouais. Donc, c'est la peluche. En plus, j'ai failli me l'acheter au marché de Noël quand je suis allée à Toulouse. Mais ça, c'était du coup le week-end du 30 novembre et le 1er décembre. Et on l'a vu, mais après, on s'est dit, ouais, est-ce que ça va vraiment me servir vu qu'on a déjà des coussins à la maison comme ça. J'ai des chaussons et j'ai une peluche. D'ailleurs, c'est un mouton qui s'appelle Sushi. Pose pas de questions. Mais toujours est-il, je suis trop contente parce que, en fait, Sushi, on ne l'utilise pas trop. On l'a mis de côté un peu et donc... Oh là là, il est trop mignon et je vais pleurer alors que c'est la première vidéo que je filme aujourd'hui. En tout cas, il est trop mignon. Alors, on va essayer de lui trouver un nom. Remarque, je viens de penser à un truc. Dragmar, son vrai nom, c'est Alexis. Je suis désolée s'il ne fallait pas le dire. Je viens de penser, mais bon. Donc, du coup, je vais l'appeler Alexis. Voilà, donc ce petit panda s'appelle Alexis. Il va falloir que je te présente maintenant à toute ta famille parce que vous êtes nombreux. Oh, génial, il tient bien en plus, tout seul. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur que cette petite ouverture de colis de Noël t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'invite donc à aller t'abonner sur la chaîne de Dragmar qui propose vraiment du contenu divers et varié et très intéressant. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve donc très vite pour des nouveaux contenus sur le thème Noël. Sur ce, à bientôt. Trop mignon toi. Oh, toi t'es trop mignon, tu vas être l'un de mes préférés.